took it because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon petit thé à la citrouille pour la vidéo reset du mois de novembre. Déjà, ça passe vraiment trop vite. Si vous ne connaissez pas le concept du reset, la façon dont je le vois, moi en tout cas, c'est un peu comme une remise à niveau à chaque fin de mois, enfin un petit bilan du mois passé, et on parle de qu'est-ce qui s'en vient pour le mois à venir. J'en profite aussi pour m'attaquer à une petite to-do list, histoire de démarrer le nouveau mois sous les meilleurs auspices. Et puis j'ai fait aussi un tirage pour une petite pile à lire du mois avec le jeu de la pile à lire. Si vous ne le connaissez pas, je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. On va commencer en revenant sur le mois d'octobre qui a quand même été un très bon mois pour moi, très occupé, mais surtout de manière positive et amusante. En commençant avec le concert de Kyo en début de mois, ensuite je suis allée passer un week-end chez une amie à Boston, vers Boston, franchement un week-end d'automne. Parfait, je vous en ai fait un petit vlog d'ailleurs qui est déjà sorti, mais c'était super. Franchement, c'est tellement beau, la Nouvelle-Angleterre à cette période de l'année, les couleurs, l'ambiance, je suis trop fan. On n'a pas à se plaindre au Québec, c'est aussi très beau l'automne, mais la Nouvelle-Angleterre, donc ça regroupe plusieurs états, dont le Vermont, le Massachusetts et le Connecticut. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux autres, le Rhode Island. Ce coin-là des États-Unis, c'est vraiment top en automne. C'est là qu'il y a Salem aussi, qu'il y a Boston, pour vous situer un petit peu. Donc ça, c'était un très chouette week-end. Franchement, je serais bien restée un jour de plus. Et la même chose pour l'autre week-end très cool que j'ai fait, où on a fait une retraite lecture avec des amis. Là aussi, j'aurais bien aimé faire durer le plaisir parce que le Airbnb où on était, absolument incroyable. Cette vidéo sortira avant que vous voyez le vlog que j'ai filmé, qui sera la vidéo d'après. Donc, surveillez ça parce que franchement, c'était un des plus beaux endroits où je suis allée, qui était tellement adapté pour les activités qu'on faisait, en particulier la lecture. Il y avait une pièce qui me faisait trop penser au manoir un petit peu dans À couteau tiré, genre ce genre de bibliothèque de grande maison là, super cosy. Franchement, j'y ai passé la majorité du week-end, je pense. Donc vous le comprendrez, un très très bon mois d'octobre, qui n'est pas fini techniquement parce qu'on est le 31, dernier jour, le jour d'Halloween d'ailleurs. Dis-moi si vous fêtez Halloween, vous, je sais qu'aux États-Unis et au Canada c'est quand même beaucoup plus présent qu'en Europe, mais je pense que ça s'est développé dans les dernières années. Et ce soir, on va avec des amis à une exposition sur les sorcières à un musée de Montréal. Donc très belle façon de terminer le mois d'octobre. Je vais voir si j'arrive à vous en filmer des petits bouts aussi. Je vois difficilement comment j'aurais pu passer un meilleur mois. Bon, il y avait quand même beaucoup de travail et certaines semaines qui ont été plus difficiles, pas mal de petites choses qui m'ont stressée, plus côté perso, côté santé. Des jours où l'anxiété décide de se pointer, pourquoi, on lui a rien demandé, elle est là quand même. Mais de façon globale, j'ai vraiment profité de ce mois-ci. C'est un mois que j'aime beaucoup, le mois d'octobre avec le mois de septembre. Pour moi, c'est vraiment les mois de l'automne. Donc je suis bien prête à entamer le mois de novembre, que je vois vraiment plus comme une période, j'ai envie de dire, d'introspection, de repos, de cocooning, vous savez, genre où vraiment on va se faire un nid douillet à la maison et passer beaucoup plus de temps chez soi, vu que les jours raccourcissent drastiquement. Ça, je vais pas vous mentir, par contre c'est dur. Chaque jour on perd tellement de lumière du soleil là en ce moment, c'est vraiment intense. Mais donc le mois de novembre, je le vois vraiment comme un mois de repos entre l'automne et ses belles couleurs et les belles journées qu'on a encore. Par exemple, aujourd'hui il fait 20 degrés. Et puis le mois de décembre où là on va plus dans le mood de Noël et vraiment de l'hiver. C'est un peu comme un entre-deux. Ça me fait penser d'ailleurs, un peu plus tôt je faisais le planning du mois de novembre, donc dans mon agenda et dans le calendrier de Caro from Woodland, et j'ai vu qu'elle, elle le mettait vraiment comme une préparation à Noël et à l'hiver, et le mood vraiment des dessins et tout était très hivernal. Donc je me demandais, vous, comment vous percevez le mois de novembre? Est-ce que vous le voyez plus vraiment dans l'automne? Alors je sais que dans les dates techniquement, hein, l'automne c'est jusqu'au 21 décembre, mais je parle plus de la vibe. Est-ce que vous le voyez plus comme vraiment encore l'automne,
les citrouilles, les balades dehors, les feuilles, tout ça, tout ça. Ou est-ce que pour vous, vous êtes plus déjà en mode, on commence à regarder des films de Noël, on commence à penser à la neige, aux fêtes de fin d'année, tout ça. Ou peut-être que vous appartenez au clan de « je m'en fous complètement » du mois de novembre, des fêtes, de la période de l'année qu'il est, ça change rien pour moi. C'est possible aussi. Je réfléchissais beaucoup à tout ça parce que, comme certains d'entre vous le savent, j'organise le Cold Winter Challenge depuis l'an dernier et il a toujours commencé le 1er décembre et je trouve ça vraiment chouette de le commencer à ce moment-là. On peut faire un petit calendrier de l'Avent et tout ça. C'est pour moi vraiment le départ officiel de l'hiver, de la période de Noël. Mais je réfléchissais vraiment parce que je vois beaucoup de monde qui commence à justement se mettre dans l'ambiance plus tôt, à regarder les films, tout ça, avant déjà les livres, les romances de Noël sortent en novembre. Donc j'avais tout ça en tête un petit peu comme réflexion et je serais très curieuse de voir votre point de vue là-dessus. Si je vous parle maintenant un petit peu plus du planning du mois de novembre, ce week-end, on va voir la comédie musicale du Roi Lion à Ottawa. J'ai très hâte. On a des petits trucs sympas prévus avec des amis, je pense un ou deux autres week-ends de novembre, mais ça va être quand même beaucoup plus relax que le mois d'octobre, ce qui correspond un petit peu à ma vision de ce mois-là. D'ailleurs, niveau lecture, j'ai prévu de lire du Dark Academia. Je trouve que c'est le mois parfait pour lire ça. Et je vous en ferai un vlog, vous inquiétez pas. Mais sinon, le mois de novembre, ça va être vraiment intense au niveau de mon travail. Donc, pas mon travail pour les réseaux, mais l'autre travail. Je vais vraiment beaucoup, beaucoup travailler, un peu comme j'avais fait au printemps, mais sur une période plus restreinte de temps. Donc, je pense que je vais réussir à gérer, j'espère. Je sais pas à quel point j'aurai le temps de beaucoup faire d'autres activités, d'autres projets, du coup. Mais il y a quand même un gros, gros truc pour le mois de novembre, qui est la préparation du Cold Winter Challenge. J'ai déjà commencé à recevoir des questions là-dessus et tout. Donc je vais vous en parler un petit peu plus pour calmer l'impatience. Ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr un nouveau Cold Winter Challenge cette année qui commencera le 1er décembre. L'annonce des thèmes officiels avec la vidéo de présentation, ce sera le 24 novembre à 10h pour le Québec, 16h pour la France. En live premiere sur YouTube, vous savez là où la vidéo est pas en live mais vous pouvez faire les commentaires en live, exactement comme j'avais fait l'an dernier. Moi ça m'aide d'avoir une deadline précise et de la partager, comme ça je sais à peu près quand est-ce qu'il faut que je filme la vidéo, que je la monte et tout ça. Donc j'aime bien citer la date d'avance. Je ne vous révèle donc pas le thème immédiatement, même si mes Patreons savent un petit peu qu'est-ce que ça va être et sûrement je vais le leur dire un petit peu d'avance, mais sinon vous aurez la surprise le 24 novembre. Je vais continuer à prévoir aussi plusieurs activités, concours et tout, comme je l'avais fait l'an dernier. Il y a des choses que je vais peut-être pas refaire, il y en a que je vais faire différemment. Un apprentissage constant, vu que l'an dernier, c'était la première fois aussi. Mais j'ai vraiment très hâte de vous en parler, franchement, trop hâte. D'ailleurs, j'ai prévu là de vous montrer quelques livres que je me suis acheté ou que j'ai demandé en service presse pour commencer à préparer ma pile à lire de l'hiver. Donc, je sais pas si ça peut vous donner un indice sur le thème, mais si jamais vous avez envie de faire des supputations dans les commentaires, allez-y, je serais très curieuse de voir s'il y en a qui vont deviner. Alors, peut-être pas du coup les capas parce que vous avez un petit inside déjà, ce serait de la triche. Mais j'aimerais beaucoup voir si vous avez des idées, s'il y a des petits indices que j'ai pu disséminer qui vous lance sur la piste. D'ailleurs, puisque je vous parle des livres que j'ai achetés et demandés, je vais vous montrer ça de suite, les achats que j'ai faits au mois d'octobre, donc vraiment les livres que je me suis achetés personnellement, et puis aussi quelques services presse que je viens de recevoir. Un petit unboxing, on dit jamais non. Je vais y aller d'abord avec mes achats. Les trois premiers ont été faits pendant que j'étais à Boston. Vous l'aurez vu dans le vlog, on a fait le tour de plusieurs librairies. Je pense que j'étais relativement raisonnable, ça aurait pu être pire, définitivement. Peut-être que ça aurait pu être mieux. Je vous laisse en juger. Les premiers, je les ai achetés à Barnes & Noble parce qu'ils ont des éditions exclusives que j'aime bien. Donc déjà, le volume 7 de L'Or Olympus, qui ne compte pas comme un ajout à ma pile à lire. C'est plus pour ma collection, vu que j'ai lu tout le webtoon. Et une fois qu'ils seront tous sortis en papier, je pense que je vais tout relire. Et j'aimais vraiment beaucoup plus cette édition-là que celle qu'on avait au Canada. Et puis celui-là, c'était pas prévu que je l'achète à Barnes & Noble. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient l'édition spéciale, et vu que le premier tome, je l'ai aussi dans leur édition spéciale, je voulais que ça match. Et j'ai donc pris Celestial Monsters, qui est la suite de
Pour une fois, je me souviens du titre en français, pas de celui en anglais. C'est Le Porte-Lumière de Hayden Thomas, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et c'est une duologie. Donc si je pouvais lire celui-là d'ici la fin de l'année, ce qui a très peu de chances d'arriver, soyons honnêtes, ça me permettrait de finir une série de plus. Ah voilà, The Sunbearer Trials. C'était ça le titre en anglais. Je la trouve très très belle cette couverture. C'est les couleurs surtout qui changent un petit peu. Je sais pas si l'intérieur est différent ou pas, mais je pense que c'est juste esthétique. Et puis, un craquage complètement imprévu, mais quand j'ai vu la couverture, puis quand j'ai lu le résumé, je pouvais pas faire autrement. Et ça, je l'ai acheté à une librairie indépendante où j'espère qu'on pourra retourner parce qu'elle était vraiment très très cool. Il s'appelle Black Bear Café. Et oui, ils ont un petit café aussi à l'intérieur qui était vraiment chouette. Et donc, c'est The Most Wonderful Crime of the Year. Regardez-moi cette couverture vintage! J'aime trop, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup trop. Donc c'est un murder mystery. Il y a écrit Knives Out gets a rom-com twist in this rival to lover Christmas romance mystery. Donc À couteau tiré, qui est un film que j'ai adoré, mais avec un twist comédie romantique entre des rivaux qui vont tomber amoureux. Et je pense que ça se passe entre... C'est ça. Deux auteurs en plus, et j'adore quand les livres partent de livres, vous le savez. Elle, c'est la reine du cozy mystery, et lui, c'est un peu un des big boss de l'écriture de thriller. Ça a l'air vraiment trop cool. Je relis le résumé et ça me hype à nouveau. En gros, ils vont être tous les deux invités à une fête de Noël dans un manoir anglais un peu mystérieux, et puis ça va commencer à partir complètement de travers. Ça a l'air génial. J'ai extrêmement hâte de le lire. Le prochain, je l'avais dans mon radar, mais j'étais pas sûre de vouloir l'acheter parce qu'il était quand même un petit peu cher. Même si la couverture me plaisait beaucoup, j'étais pas sûre à 100% que j'allais aimer non plus. Mais au final, Indigo faisait un rabais dessus, donc je l'ai rejeté. Et il s'agit de Bull Moon Rising de Ruby Dixon. Je vous ai montré en détail vraiment l'intérieur et tout de cette super belle édition dans mon vlog Lo-fi, Cozy Autumn Days. En fait, j'ai hésité parce que Ruby Dixon, je lis les Ice Planet Barbarian d'elle. Je m'amuse beaucoup, c'est très drôle, c'est très mignon. Mais je sais qu'elle a aussi fait d'autres types de romances, notamment des romances, je pense, avec des motards, et ça, je suis pas du tout fan. Donc j'hésitais un petit peu. Mais là, on était plus dans un espèce d'univers de fantasy avec une romance avec une espèce de minotaure. Alors bon, je me suis dit, pourquoi pas, on va le tester. Il est quand même vraiment très très beau et j'espère l'aimer. Et enfin, j'ai fait un achat aussi assez impulsif à cause d'une de mes patrons. Je pense que c'était Sarah qui lisait ce livre, qui l'a dévoré et qui nous a dit qu'il était trop trop bien. Il s'agit de Griff de Malika Ferjouk. Je pensais pas qu'il était aussi gros, franchement. Il est énorme, mais apparemment il se lit très très vite. C'est un thriller young adult, donc par cette autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec la trilogie Broadway, Limited, et j'étais tellement fan de ces livres. J'aimerais bien les relire un jour d'ailleurs, mais c'est quand même assez dense, donc j'ai pas encore trouvé le courage de le faire. Mais je les avais beaucoup beaucoup aimés, et j'avais bien envie de la découvrir dans un genre complètement différent. Là encore, on est en Angleterre, dans un village perdu dans les Landes. Je pense que celui-là irait bien pour une lecture un peu frissonnante d'hiver, donc peut-être qu'il ira aussi dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Ça, c'était pour les achats. Je pense pas que j'en ai oublié. Mais j'ai un petit paquet de service presse, donc que je vais aussi ouvrir avec vous. Alors, normalement, j'ai pas de surprise. C'est que des choses que j'ai demandées. On a le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine. Cette série, j'aime beaucoup trop. Les couleurs font pas mal pour l'hiver aussi, je pense. Mais est-ce que je vais attendre jusque-là pour le lire? Rien n'est moins sûr. J'ai le 4 aussi, donc je me verrai bien enchaîner les deux. Et l'autre, hop, c'est une suite, le tome 2 de la BD de Nevermore. J'avais vraiment beaucoup aimé la version BD déjà en tome 1. J'avais trouvé ça super fun de voir les univers, les personnages qui avaient été décrits dans le livre. Donc bien hâte de continuer. Puis ça fait patienter en attendant que le tome 4 du roman sorte, n'est-ce pas? Lui aussi,
Et il va se retrouver dans la pile à lire du Cold Winter Challenge, c'est certain. Je pensais qu'il y avait un autre livre que j'avais demandé dedans, mais peut-être que je le recevrai un petit peu plus tard. La dernière chose que je voulais faire dans cette partie de la vidéo, c'était une petite to-do list de la journée avec vous. J'ai déjà fait ma préparation des calendriers. Là, ce que j'aimerais continuer à faire pour aujourd'hui, c'est écrire des lettres pour mes Patreon, donc lettres de bienvenue et lettres d'anniversaire. Ensuite, il faut que je range tout ça et que je les ajoute à mon fichier pile à lire. Quand j'essaye de leur trouver une place sur mes étagères, ce qui devient de plus en plus compliqué, il va falloir que je fasse un tri très bientôt. Mais je sais pas comment je vais faire parce que j'ai l'impression que tous les livres que j'ai là, c'est soit des livres que je veux lire, soit des livres que je veux garder. Donc la situation est un petit peu tendue. Et puis idéalement, j'aimerais avoir le temps de continuer mes deux lectures en cours. Enfin, deux de mes lectures en cours plutôt. Donc L'école de la nuit. J'ai enlevé la couverture pour lire plus facilement. J'en suis quasiment à la moitié et on va commencer le watch along de la saison 2 de la série demain. Donc il faut que je me dépêche, que j'essaye d'avancer au maximum. Puis j'ai aussi attaqué, mais vraiment genre deux pages ce matin, Légende des mondes d'Aria, que je lis pour un partenariat avec les éditions Nathan. Je peux pas vous en dire grand chose pour le moment, je sais juste que c'est une adaptation d'un jeu Twitch. Donc j'étais assez curieuse, je savais même pas qu'il y avait ce type de jeu sur Twitch, honnêtement. Je sais qu'il y a de la fantasy, qu'on est dans une histoire de quête, donc un schéma assez classique, on va dire, du genre. Il y a déjà quelque chose qui m'a marqué dans les deux pages que j'ai lues, c'est l'humour qu'il y a dans la plume et dans le point de vue de la narration, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis plutôt enthousiaste à l'idée de faire cette lecture. Même si au début j'avais un petit peu peur du côté de l'adaptation de jeu Twitch, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour une fois, ma to-do list est assez courte, mais est-ce que c'est vraiment parce que je vais faire que ça ou parce que j'ai oublié la moitié des choses que je dois faire? Seul l'avenir nous le dira. Je vais de ce pas aller ranger tous les livres et peut-être commencer les lettres, et je vous retrouve plus tard pour le tirage du jeu de la palle. Je vous reprends pour la partie tirage avec le jeu de la pile à lire de la vidéo. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir vos lectures de façon amusante. Je dis vous, ça m'inclut moi aussi. Et donc chaque mois, je vais faire 5 lancers de dés et avec l'aide du plateau que j'ai créé pour compléter les cartes, pour avoir encore plus de fun dans les tirages, je vais choisir 5 de mes lectures du mois. Avant de choisir les 5 prochaines lectures, bien sûr, on va revenir sur ce que j'avais pris le mois précédent. Et ça n'a pas très bien été. J'ai l'impression que je vous dis ça souvent, mais je manque de rigueur ou je suis trop ambitieuse. Je vous laisse choisir la raison. Dans les livres que je devais lire en octobre, il y avait donc American Gods, qui était mon livre le plus vieux. On l'a testé en livre audio avec Johan sur le trajet pour aller jusqu'à Boston. Et au final, j'ai décidé de l'abandonner. Parce que je trouvais que l'histoire avait un potentiel, mais j'avais un problème avec la façon dont les personnages féminins, certains en tout cas, étaient représentés ou décrits, ou les relations que les personnages masculins avaient avec ces personnages féminins. Il y a des choses que j'aimais pas trop. Donc j'ai décidé de l'abandonner, malheureusement. Et du coup, j'ai aussi enlevé Anansi Boys, qui est un peu comme une suite de ma pile à lire. Le bilan, et que j'ai 2 livres de moins dans ma palle, c'était quand même cool. Puis les livres que j'abandonne, je vous l'ai déjà dit, je compte ça comme neutre. J'avais ensuite A Discovery of Witches, que j'ai bien entendu lu, annoté. Je me suis régalée. J'avais aussi In the Company of Witches que j'ai fini la semaine dernière et dont je vous parlerai dans mon vlog Cozy Mystery. C'était plutôt sympa et je compte bien lire la suite. Ça c'était ce qui a bien marché. La suite ça n'a pas fonctionné vu que je n'ai pas lu Graveyard Shift. Pourtant il n'est pas très épais mais franchement j'étais trop prise dans les autres lectures donc je ne l'ai pas lu. Et puis je n'ai pas non plus lu mes livres Last Chance donc j'étais censée en lire un des deux. Sinon
Il devait quitter ma pile à lire. Alors honnêtement, j'ai essayé lui parce que j'ai réservé le livre audio à la bibliothèque. J'aimerais bien l'écouter en livre audio. J'ai entendu que la narration était vraiment chouette. Et je suis en attente. Donc c'est pas vraiment ma faute. Celui-là, j'ai même pas une demi-excuse par contre. Je l'ai juste pas pris. Voilà. Mais j'ai lu quelques pages et ça a quand même l'air vraiment très chouette. Donc j'ai pas envie de m'en débarrasser non plus. Alors je vais tricher à mon propre jeu. C'est pas grave. C'est moi qui fais les règles. Et je vais continuer à garder les deux dans ma pile à lire. Voilà. Je peux pas en laisser partir aucun des deux. Ils me tentent vraiment trop les deux encore. Et puis je me dis que vu que j'ai quand même enlevé Alan C. Boys de ma pile à lire, ça compense. Je fais ce que je peux, hein, pour me justifier, vous l'aurez remarqué. Si on fait le total, j'ai lu 2 livres, j'en ai abandonné un, et il y en a 2 que j'ai pas lu. Je compte que 2 parce que ça c'était censé être au choix. Donc au final, je ne bouge pas. Mais en vrai, je vais quand même changer de place parce que on m'a fait remarquer dans ma vidéo précédente que je suis partie dans la mauvaise direction sur le plateau. À un moment, je comptais et je suis pas du tout allée au bon endroit. J'ai pas suivi les flèches. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai triché sans le vouloir. Donc je vais revenir à la position où je devrais être. Je suis allée vérifier ça. Et je pense que c'est quand j'étais là. Il fallait que j'aille par là. Voilà. Ça tombe bien parce que c'est le même type de case et tout. Donc ça se serait déroulé de la même façon. Au final, tout est bien qui finit bien. Je peux maintenant y aller pour de bon avec le lancer du mois de novembre. Et si jamais vous voulez participer, vous aussi n'hésitez pas à choisir 5 livres qui vont correspondre aux catégories que je vais piocher et à partager votre pile à lire dans les commentaires. Je pense que c'est le bon dé. Ouais. J'ai toutes les cartes, ça commence à être difficile pour toutes les mélanger. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais comme à chaque fois, les liens pour vous prendre le jeu, pour avoir plus d'informations dessus, ma vidéo explicative, seront dans la barre d'infos. Et on a aussi créé un compte Instagram, je ne sais plus si je vous l'avais dit, pour le jeu, qui s'appelle Jeu de la Pale. Si jamais vous voulez aller le suivre, on partage des recommandations pour les cartes. Et bientôt, on va aussi faire des petits tirages, genre sélectionner une personne au hasard par mois et vous cirer les cartes. Donc n'hésitez pas à nous y suivre. On y va. 1. Bon, bah on commence avec une case spéciale qui est... Alors, est-ce que celle-là, c'est le vote ou c'est les recommandations réseaux sociaux? Ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. Mais c'est vraiment un livre que j'ai vu sur les réseaux et qui est comme recommandé par beaucoup de monde. Ça peut aussi être que vous demandez des recommandations à quelqu'un. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Donc, je vais aller voir sur Instagram. Et on va essayer le premier livre qu'Instagram me propose. Oh! Et ben c'est... Je le prends. C'est pas techniquement un avis lecture, c'est un reel qui parle d'un livre. Mais je pense que je vais le prendre quand même et espérer que je reçoive le livre à temps. Mais il s'agit du 4e tome du Grimoire d'Elphie qui sort chez Draco. J'adore cette série de BD. Je suis extrêmement, extrêmement fan. Donc... Je vais le prendre, écoutez, première chose que je vois en ouvrant Instagram, je compte ça comme une recommandation des réseaux sociaux, et puis on va juste espérer qu'il arrive avant la fin du mois. Je pense pas que ce serait aussi simple ce lancer là, mais tant mieux. 8. Ouh. Wow. Donc là je pioche une carte, et c'est... C'est trop parfait! Je suis trop contente! C'est Vampire! Donc vraiment bien pour l'automne, pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que j'ai un livre avec des vampires que je voudrais lire, je suis en train de réfléchir à ce qu'il y en a d'autres. Ok, alors j'ai un petit peu honte parce que le premier livre auquel j'ai pensé quand j'ai pioché cette carte, c'était My Vampire Plus One, que je me suis acheté il y a pas longtemps et qui est une romance fake relationship avec des vampires. Mais je suis bête, parce que quand même, un des gros trucs que je fais cet automne, c'est la lecture commune de la trilogie Le Livre Perdu des Sortilèges. Et il y a quand même un personnage principal qui est un vampire là-dedans. Les vampires font partie intégrante de l'histoire, il y en a plein partout, et j'y ai même pas pensé. Donc, mon choix officiel
Pour cette carte, ça va être l'école de la nuit. Je n'ai toujours pas remis la dust jacket, que je suis donc, comme je vous disais un peu plus tôt, en train de lire, et que je suis sûre donc... Ça, c'est une carte que je suis sûre que j'aurai lue à la fin du mois, et c'est pas mal. Officieusement, si j'arrive à lire celui-là aussi, ce sera plutôt cool. Ah, ça va bien pour le moment. Une BD, un livre que je suis déjà en train de lire. On va essayer de continuer comme ça. 6. Ouh, une autre case vraiment chouette, vu que je tombe... Je recompte, hein. Sur celle-là, qui est pour lire un livre de 16 ans. J'ai perdu les mains. Saucé technec. Donc il faut que je lise un livre qui se passe en automne. Je devrais avoir ça quand même dans ma pile à lire. Voilà. Je recycle. Parce que il me fait quand même très envie. Je vérifie et celui-là, ça dit « On a dark October evening ». Donc voilà. Je vais reprendre celui-là, qui était déjà là dans ma pile à lire du mois dernier, où on suit une équipe de travailleurs de nuit dans un cimetière. Ça a l'air assez glauque et tout. Si j'avais pas eu quelque chose de prévu ce soir pour Halloween, je pense que ça aurait été mon choix de lecture, parce qu'on peut lire en une soirée. On verra si on rentre pas trop tard, mais je pense qu'on va rentrer trop tard pour que je le lise. Mais peut-être demain du coup. Je vais essayer vraiment de le lire rapidement parce que ça fait bien ambiance Halloween, un peu épouvante et tout celui-là. Quatrième lancée. 5. On va essayer de ne pas refaire la même erreur à chaque fois. Je vérifie dans quel sens je vais. 2, 3, 4, 5. Ouh. On pioche une autre carte. Je voulais plus le tenir. Maintenant, je fais comme ça. Il y a trop de cartes. Et c'est... Thriller. Thriller. J'ai un livre en tête. Mais je sais pas si... il serait vraiment catégorisé comme thriller. On va voir qu'est-ce que Goodreads en dit. Ok. Il y a dans les hashtags de Goodreads pour ce livre les mots thriller et mystery thriller. Je vais prendre ça. Je vous dis un petit peu du coup, il va être dans mon vlog Dark Academia. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Un classique qui correspond quand même à la description du thriller dans le sens, je pense, qu'on est sous une espèce de tension permanente, d'interrogation, qu'on a un peu peur, qu'on est dans une atmosphère... lourde, avec un manoir, le côté gothique peut-être un petit peu aussi. Ça passe. Ça passe. Je suis très curieuse aussi parce que j'ai vu une adaptation en film et j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de ce livre, donc j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que je vais en penser. On est déjà au dernier lancé, ça va vite aujourd'hui. 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ça aussi, ça fait longtemps que je suis pas tombée dessus. Je dois prendre un D20. En fait, d'abord, je vais choisir les 20 livres que j'ai le plus envie de lire dans ma pile à lire. Puis je vais prendre un D20 et on va voir sur lequel ça tombe. Vous savez quoi, c'était pas si facile. Je pense que maintenant, je vais essayer de garder une liste de mon top 20 et de l'updater régulièrement. Donc j'y vais avec mon petit D20. C'est quand même assez fun comme D. 1. Qu'est-ce que j'ai mis en 1? Ouf! Je suis sauvée. Je dis ça parce que c'est un livre qui était déjà dans ma pile à lire du Pumpkin Challenge et qu'en plus j'avais prévu de lire aussi pour le vlog Dark Academia, donc il était quand même dans mes prioritaires. Et il s'agit de Lady Macbeth de Ava Reed. Donc une réécriture du personnage de Lady Macbeth qui est dans la pièce de Shakespeare du même nom. J'ai très hâte de voir. J'ai entendu des échos pas forcément top, mais j'avais vraiment aimé A Study in Drowning, le passé englouti, qui était super intéressant, j'ai trouvé, au niveau de l'ambiance déjà, et aussi des thématiques abordées, donc je suis très curieuse. J'aime bien aussi les réécritures de Shakespeare, tant que c'est pas Roméo et Juliette. Donc vraiment,
Je suis super contente du choix des dés. Donc voilà pour la petite sélection du mois de novembre, avec en plus le tome 4 du Grimoire d'Elphi. Franchement, j'ai très bon espoir de tous arriver à les lire. Je regarde ces couvertures dans les tons sombres, un peu noirs, verts et tout, et pour moi c'est trop parfait pour le mois de novembre. Ils étaient tous dans ma liste prioritaire mentale, on va dire, donc vraiment super cool. Je vais d'ailleurs sur ce pas essayer de continuer l'école de la nuit, et puis je vais me préparer pour notre activité de ce soir. On arrive à la fin de ce reset, même si j'ai encore un ou deux petits trucs à vous dire. Le premier, c'était que la soirée hier était super cool. On a pu faire que la moitié de l'exposition parce que c'était quand même assez long, c'est genre très condensé. Et puis on a fait aussi beaucoup de queues pour certaines des activités. Il y avait comme des ateliers de tarot, astrologie, tout ça. Donc on voulait être dans l'ambiance et tout. On en a fait quelques-uns, mais il y avait vraiment beaucoup de fils. Donc c'était super chouette, mais on est rentré tard. Et comme au final, je devais travailler aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires cette semaine. Je pense que j'ai travaillé comme 2 jours de plus que ce que je suis censée travailler. Donc on est rentré, c'était minuit passé. Le réveil a été un petit peu difficile. Je ne suis plus de première jeunesse. J'ai besoin de dormir. Donc là, je vous dis que je me sens pas mal fatiguée. Je vais peut-être me faire une petite boisson chaude, un truc pour me redonner un peu d'énergie, parce que j'ai encore plusieurs trucs à faire cet après-midi. Notamment, là, je travaillais sur le planning pour le mois de novembre. Tous les mois, sur mon Patreon, je partage un planning avec les vidéos que j'ai prévues, les projets, ce qui se passe niveau perso et tout. Et je me suis rendu compte, en faisant le planning vidéo, que ça allait être compliqué de faire tout ce que je veux faire, parce que j'ai plusieurs idées de vlog que je voudrais vraiment faire, dont le Dark Academia dont je vous ai parlé. Il y avait un vlog concept aussi que j'avais prévu de faire, mais j'avais oublié que vu que à la fin du mois je vais me concentrer sur les vidéos du Cold Winter Challenge, j'aurai pas forcément le temps de faire tous les vlogs que je veux, sans compter le fait que vu que je vais beaucoup travailler, j'aurai pas forcément le temps de lire ou de faire du montage. Donc je pense qu'il va falloir que je revoie mes objectifs à la baisse, et ça, pour être honnête, c'est un exercice extrêmement difficile pour moi. Et j'ai regardé aussi au niveau de mes lectures qui me restent à faire pour le Pumpkin Autumn Challenge, ce que j'avais prévu pour les différents vlogs et tout, et c'est comme d'un côté je me rends compte que c'est complètement irréaliste et que j'arriverai pas à lire tout ça, et encore moins à faire le montage derrière qui va avec. Je m'en rends compte objectivement, mais j'arrive pas à comme relâcher la pression que je me mets ou l'idée que je vais quand même réussir à tout faire. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire ok, non, ça c'est pas grave, je le fais pas. C'est un enjeu. Bref, on verra bien au cours du mois de novembre ce que j'arrive à faire au final. J'ai reçu des petits colis hier et je me suis dit, vu qu'on est ensemble, je vais les ouvrir avec vous, surtout parce qu'il y en a un qui vient de Draco, et donc je me dis c'est peut-être le tome 4 du Grimoire d'Elphi dont je vous parlais un peu plus tôt. Je vais commencer. Ah ben oui. Oui. Alors, on crache l'adresse. Il y a le logo. Je suis trop contente. C'est vraiment parfait en fait qu'il arrive juste au moment où je vous en parlais. Car il est beau. C'est trop cute ça. On dirait un petit dragon. Je vous lis le résumé. Elphi a reçu une étrange invitation. Elle est conviée à la grande fête de Walpurgis sur une île du Marais Poitevin. Chaque année, sorcières et sorciers y mènent d'incroyables festivités. Durant une journée, même Louette et Magda verront les merveilles de la magie. Oh, c'est cool, c'est vraiment pas mal différent des autres tomes. Ça m'intrigue bien. Mais absorbée par les événements, Elphi ne réalise pas le danger qui menace l'endroit et ceux qu'elle aime. Dragon de papier et sortilège, il lui faudra toute l'aide possible pour faire face à la situation. Heureusement, au cœur du marais, il y a Mélusine, la fée protectrice, mais aussi le souvenir vivace de sa mère. J'ai toujours adoré d'ailleurs la légende de Mélusine. J'avais un livre sur les fées où il y avait une super belle illustration d'elle. Chaque année, je me dis que je vais le ramener au Canada, mais il doit peser 3 kilos le livre. Oh, j'ai fait un petit marque-page. Regardez. Il est trop cute. Et très hivernal, donc j'adore. Oh, waouh. Ouais, moi aussi, j'irais bien au festival Walpurgis. Hein. Ça a l'air plutôt chouette. Je suis trop
trop contente. Je vous montre une ou deux planches aussi, comme ça, juste pour le plaisir des yeux. Au hasard. J'espère que c'est pas trop spoil. Si vous ne lisez pas cette série, vous ratez quelque chose. Vraiment. On va voir les prochains. Il y en a un, je me dis, c'est peut-être le livre qui manquait dans mon colis de hier. Donc j'ai reçu le tome 2 de Scholomance dans ce format poche que je trouve vraiment trop beau. Je l'ai lu avec les capas pour le mois de octobre. Sorry, je suis perdue. Pour le mois d'octobre. Et j'ai vraiment adoré. Franchement, je suis trop contente de m'être lancée dans cette série. On va lire le tome 3 quand il va sortir dans la même édition en poche. Ici, ce sera en janvier. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. Même si j'ai un peu peur parce que il y a une des personnes qui l'a lu et l'a abandonné. Je suis comme, ah ! Bon, c'est dommage. Ce serait dommage d'être arrivée aussi loin dans la série et de ne pas aimer le 3. Donc, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Mais non. Mais là... toujours pas le livre qui manquait, mais c'était l'édition collector du tome 5 de Seul l'amour atteint la vilaine, et il y a genre un bâton de cire, un carnet, un kit de papeterie et des stickers. Mais merci, merci Interforum. Oh mais je suis trop contente, je suis trop surprise et trop contente, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Oh là là. Franchement, c'est webtoon, je sais que j'ai pas fini de vous en parler. Je vais continuer, donc lire le tome 4 et le tome 5, et c'est sûr que je vous en reparle, parce que je suis à fond. Je suis trop contente. Et écoutez, on va arrêter la vidéo reset là-dessus, sur une très bonne note. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites choses sympas prévues en novembre, qu'est-ce que ça va être vos focus pour le mois. Si vous avez envie d'avoir accès à encore plus de contenu exclusif, soutenir le travail que je fais sur la chaîne, avoir accès à plus de vidéos, un espace de discussion, participer à nos lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les capas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, on va y aller avec un emoji dragon. Pourquoi pas? En l'honneur du petit dragon ici que je trouve trop cute. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.